Ce feu pour prier, ce feu, oh, de la prière qui va ravager, qui va détruire les forteresses au nom de Yeshua de Nazareth. Dieu te donne une bouche pour prier. Il te donne une bouche pour prier, sentinelle de Dieu. Sentinelle de Yahweh. Oh Père, tu es sa sentinelle. Sentinelle de Jésus. Sentinelle de Jésus, Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette ville que tu embrases. Merci pour ton armée céleste. Père qui quadrille ces villes, papa, au nom de Yeshua, papa. Dieu de gloire, Dieu travaille. Il opère dans ton cœur. Tu es environné de sa gloire. Tu es couronné de sa gloire. Personne ne peut te détruire. Personne ne peut te retirer de ses mains puissantes. Tu vas prier comme jamais. Dieu va te faire prier. Ce feu va t'accompagner. Ton esprit sera tout le temps en prière. Tout le temps connecté avec Jésus-Christ de Nazareth. Au travail, dans chaque lieu où tu passeras, ton esprit sera de plus en plus connecté avec le cœur du Père, avec le cœur du Roi des Rois. Et sa voix va de plus en plus te parler. Tu vas aimer sa présence, tu vas aimer l'adorer, tu vas aimer sa gloire. Oh, Jésus travaille. Il te touche le cœur. Il te touche en profondeur. Dieu va visiter de plus en plus ses enfants dans ce temps de souffrance dans lequel que nous vivons. Il va visiter son peuple. Il te couvrira de plus en plus de lui. Dieu revient. Il va briser en toi le raisonnement. Il va briser en toi tous ces raisonnements, tous ces questionnements qui t'écartent de lui, qui te font douter de plus en plus en lui. Ce soir, Dieu te réveille de plus en plus. Ce soir, sa présence, ce soir, il te touche. Il touche ton âme, il touche ton âme, il touche ton âme. Jésus-Christ, il s'appelle. Les démons peuvent se lever, les ténèbres peuvent se lever. Mais le roi des rois se lèvera. Il se lèvera pour ta vie. Jésus de Nazareth. Oh Jésus, le pan de sa robe. Oh papa. Oh Sergi, Sergi, Sergi. Dieu a posé son regard sur Sergi et ses habitants. Oh, Jésus de Nazareth, il travaille ton cœur. Ô Père, ô Père, ô Père, ô Père. Jésus. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Chant, joie de chant, de chant, ô Père, ô Père, ô Père, ô Père.
celui qui m'a touché. Oui, ô Père, celui qui opère. Mon cœur dit ô Père, chantons ô Père. Oh Papa, ô Père, je veux t'aimer, je veux t'adorer, laisse-moi te chanter. Père, ô Père, ô Père, ô Père, laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, car tu as touché mon âme. Père, tu es le maître en ce lieu, Jésus. Tu es l'agneau immolé, Jésus. Ô Père, chantons au Père. Ô Père, les anges ici disent qu'il est Père. Ô Père, voilà pourquoi je veux l'adorer. Ô Père, voilà pourquoi je veux l'élever. De toucher aujourd'hui, ô Père, sa main se pose sur ton cœur, ô Père, car il est ton Père, ô Père, il est ton Père, ô Père, il est ton Père, ô Père, entends sa voix te parler, ô Père, entends sa voix te toucher. Alléluia. On peut prendre place. Que Dieu soit béni pour ce temps. Nous sommes des êtres tellement rempli de défauts. Il y a quelques semaines, je parlais avec des frères et sœurs. Je disais à Dieu, mais pourquoi tu m'as touché? Pourquoi tu m'as appelé pour le royaume? Pourquoi tu demandes de faire des choses? Et il me disait que il ne regrette pas nos défauts. Dieu voit loin. C'est loin qu'il voit pour nos vies. C'est pas aujourd'hui même. Dans le sens où des fois on croit que on est rempli de défauts et Dieu ne peut pas travailler avec nous. Dieu ne peut pas parler à travers nous. On ne peut rien faire pour Dieu parce qu'on est rempli de défauts. Non, Dieu regarde demain. Il a des choses à faire pour toi. Et c'est loin que Dieu voit. Ce n'est pas aujourd'hui.
Enfin, toi, tu ne dois pas regarder à toi aujourd'hui même. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour moi. Donc peu importe ce qu'on peut dire de toi aujourd'hui, Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé. Dieu nous a appelés. Et c'est lui qui transforme nos cœurs. C'est lui qui ôte ce caractère que nous avons qui est complètement charnel pour avoir ce caractère de Christ, l'image de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas arrivés. Dieu veut prendre ce temps pour nous travailler. Ce temps pour guérir nos cœurs, parce que nos cœurs sont brisés. Brisés à cause du péché, à cause de tout ce qu'on a subi dans le monde, à cause de toutes les paroles qu'on a pu entendre, à cause de peut-être la famille dans laquelle on a grandi, qui était vraiment dans le désordre. On a été blessés dès le bas âge. Mais Dieu t'appelle. Parce qu'il veut te changer. Il veut accomplir l'œuvre qu'il a prévue en toi. Laisse-le opérer en toi. Laisse-le te transformer en profondeur. Parce que des fois, on se débat tellement que Dieu, il ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'on se débat trop. Nous devons arriver à ce point où on doit dire à Jésus-Christ, Seigneur, que ta volonté se fasse, non la mienne, mais la tienne. Change-moi, travaille-moi. Mais si tu bouges là-bas, tu vas là-bas, comment Dieu peut prendre ce temps pour retirer le manque de pardon, pour te donner le pardon, afin que tu puisses pardonner, libérer le pardon. Il veut retirer la rancune afin qu'on puisse donner l'autre joue, comme sa parole le dit. C'est ça que l'image de Dieu. Laissez Dieu agir dans nos vies. Laissez Dieu juger s'il doit juger. Ce n'est pas à nous d'aller juger les gens. Ce n'est pas à nous d'aller prendre les armes pour aller nous faire notre propre justice. Et l'arme là, en général, c'est la langue. Une arme terrible. Elle est petite dans notre bouche, mais cette langue que nous avons fait des dégâts. Elle peut tuer quelqu'un. Qui savait pas que c'était une arme? Je pense que tout le monde le sait. Une arme terrible, redoutable, la langue. C'est pour cela que Dieu nous demande la maîtrise de soi. Je voulais parler d'un truc, mais là je parle d'un autre truc. Des fois on fait des choses, tout ça, mais Dieu il dit, il faut parler d'autre chose. C'est terrible. Vous voyez? Dieu est venu crucifier cette chair sur la croix afin que nous puissions vivre par l'Esprit. Nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. Et marcher par l'Esprit de Dieu, c'est une folie pour ce monde. Et ça peut mettre une folie pour nous parce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Il y a quelques semaines, Dieu dit, oui, Sergi, j'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi? C'est trop grand. Il dit, mais il faut faire. On a pu voir des gens se toucher dans les gares où on est parti évangéliser, des gens que l'Esprit de Dieu a touchés instantanément. On ne doit pas raisonner, c'est lui qui doit passer par nous, c'est Jésus-Christ qui passe par nous pour faire son œuvre. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Tout ce qu'on a, toute grâce, tout don, tout ce qu'on a, ça nous a été donné par Jésus. Donc c'est ce qui est en nous que Dieu utilise pour travailler dans le monde, afin que nous soyons des exemples pour cette génération que Dieu veut sauver et qui est en perdition. Que fais-tu? Que faisons-nous de la grâce qu'on a reçue, des talents qu'on a reçus? Nous avons tous une mission. Dieu a missionné ses enfants
à travailler pour son royaume. Et ta récompense sera grande dans les cieux. Une récompense t'attend, une récompense nous attend. Mes amis, ça va être glorieux. À chaque fois que tu marches selon la parole de Dieu, à chaque fois que tu agis selon Jésus-Christ, Dieu ajoute à tes couronnes des perles. Grande sera notre récompense. Nous qui traversons ce monde qui est terrible, ce monde qui est pécheur, ce monde qui a besoin de la lumière. Que faisons-nous? Que fais-tu de l'autorité que Dieu t'a donnée dans la prière? Nous marchons trop par la vue. Nous marchons trop par les raisonnements, trop par les dires des autres. Et tu oublies de marcher selon la parole de Dieu. Dieu te dit de prier pour ta famille, de prier pour ton prochain. Tu ne le fais pas. Au travail, Dieu nous demande d'être des témoignages. On se mélange avec les langages des collègues et on oublie qu'on est chrétien. Comment voulons-nous que Dieu puisse travailler? Comment voulons-nous que les autres disent de nous, comme tout à l'heure disait mon frère Mourad, mais tu es différent? Je vous assure, si au travail, dans le lieu où tu es seul, où tu es avec des gens du monde, on te dit pas, tu es différente, il y a un problème. Le problème de nous les humains, les chrétiens, on a peur d'être rejeté. Qui a peur d'être rejeté ici? Qui a peur d'être rejeté? N'ayez pas peur. C'est ça notre problème. On a peur d'être traité de tous les noms. Non. Quand tu rencontres Jésus-Christ, tu n'as pas peur de qu'on t'injure. Tu n'as pas peur qu'on te critique. Tu sais où tu vas. Dans un train, si Dieu te dit, lève-toi, parle. Tu vas commencer à regarder la foule. Oh là là, ils vont me traiter de fou, un mendiant, tout ça. Oh Seigneur, non. Je parle pas. C'est là que tu passes à côté. Parce que Dieu veut passer par toi pour toucher quelqu'un, peut-être une âme. Et qu'est-ce qu'on fait? On enterre ce talent, on étouffe ce talent. À cause de quoi? Parce qu'on a peur d'être rejeté. On veut garder toujours une attache par rapport aux choses du monde pour ne pas totalement être rejeté des autres, mon ami. Dieu dit quoi dans l'Apocalypse? Il rejette, il vomit les quoi? Les tièdes. Il veut qu'on soit bouillant. C'est pas bouillant, oh, c'est pas ça. C'est garder sa parole, obéir à ce qu'il demande de faire. Dans le monde, il y a tellement de confusion. Chacun a bâti sa tour. Pentecôtiste, c'est terrible. Comme l'autre fois, on est parti évangéliser. On demande, vous êtes de quelle église? De quelle église vous êtes? C'est une question. En fait, c'est une question qui... C'est fatigant parce que dans la Bible, c'est pas écrit église pentecôtiste, église... C'est pas écrit ça. C'est écrit disciple. Si tu dis disciple, ils vont dire, oh, c'est une nouvelle secte. Vrai ou faux? Oh, c'est une nouvelle doctrine. Alors que c'est écrit que Jésus dit qu'il veut qu'on soit ses disciples. Et dans Jean 1, 12, il dit que ceux qui ont reçu son nom ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu dis à quelqu'un, t'es enfant de Dieu? Oui, mais t'es de quelle église? Parce que les hommes ont bâti tellement de choses. Les humains se sont écartés de l'origine des choses pour bâtir des sectes. Et on voit la confusion aujourd'hui. Je vois des gens dans les églises donner des dîmes, alors que Jésus n'a pas dit de donner son argent pour être sauvé. C'est écrit. Les gens veulent donner de l'argent pour être sauvés, pour être bénis, mais ce n'est pas l'argent qui sauve. Ils donnent leur argent, mais ils oublient la justice. Ils donnent leur argent, mais ils oublient qu'ils devaient
mettre en pratique la parole de Dieu. Pensant que Dieu leur dira, viens au paradis, venez au ciel, parce que vous avez donné des millions au pasteur. Non. Il veut que nous soyons des sacrifices, mes amis, de bonne odeur, des sacrifices vivants. Beaucoup ont peur de payer le prix. Beaucoup ont peur d'obéir totalement à la voix de Dieu, de peur d'être rejetés, mes amis. Ils ont peur de la solitude. Ils ont peur, mes amis. Et il y en a d'autres qui aiment la vie qu'ils mènent. Ils aiment cette vie de péché, de confusion. Alors que Jésus est celui qui nous éclaire. Jésus-Christ est celui qui nous change. Nous sommes dans ce temps où Dieu envoie, Dieu équipe pour que les âmes soient libérées. Il attend une personne, il cherche une personne pour l'envoyer. Mais lorsqu'il voit la plupart de ses enfants, beaucoup sont distraits. Beaucoup sont focalisés sur les choses de ce monde, alors que ce monde est en train de s'écrouler, mes amis. Combien de chrétiens y a-t-il en Île-de-France? Il y en a plein. Combien on va dehors parler de Jésus? Si on en voit des fois, c'est des témoins de Jéhovah des fois. Ils sont tellement motivés. Il fait froid, ils sont là. Vrai ou faux? C'est vrai. Hein? Pourtant, ils n'ont pas Jésus-Christ. Ils sont motivés. Des fois, on voit les musulmans, ils sont à Paris. Ça prie par terre. Vous avez déjà vu ça ou pas? Pourtant, ils ne prient pas le vrai Dieu. Ils sont motivés, mes amis. Où sont ceux qui veulent aller là où Dieu leur dit d'aller, favorable ou non? On veut trop chercher l'instant favorable pour... Mon ami, dans ce monde-là, si tu cherches la favorabilité, si je veux dire ce mot, mon ami, c'est chaud. Les apôtres, mes amis, on leur a dit de se taire. On les a emprisonnés. Jésus les a libérés. Ils ont continué, favorable ou non, ils ont continué à parler de Jésus. Parce que lorsque Jésus-Christ touche, lorsque tu as la révélation de Jésus-Christ, mon ami, on peut te dire de te taire, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que c'est lui qui te possède. Alors on a chanté, je suis possédé de Jésus. C'est terrible ce qu'elle a fait cette phrase-là. On est possédé de Jésus. Moi, ça m'a choqué sur cette phrase, hein. Si des fois tu vas parler, tu cries, mais c'est Jésus qui te possède. Bah oui. Et il fait son œuvre. Des fois il te fait parler d'une manière, parce qu'il y a tellement de cœurs endurcis, il te fait parler pour briser ce durcissement dans le cœur là. C'est terrible. Il y a des gens, des fois, ils ont besoin d'entendre cette parole qui va frapper de plein fouet leur cœur. Voyez, c'est des fois je dis, oh Seigneur, moi j'ai parlé, c'était compliqué. Mais avec du recul, tu réalises que Dieu voulait pas laisser de chance à cette personne de dire, oh non, c'était un faux. Quand il va rentrer à la maison là, tellement qu'il était secoué, il va réfléchir. Quand j'attrape quelqu'un là pour parler à quelqu'un, faut pas qu'il parte en croyant que il est parfait. Faut qu'il se rende compte qu'il a besoin de Jésus, qu'il a besoin de se repentir, qu'il a besoin que Jésus le sauve. Il faut tout lui dire. Parce que demain, on n'est pas sûr de le voir. Ah bah oui. Des fois, on dit, bon, je lui dis juste, Jésus t'aime, et on part. Non, dis-lui plus. Bah oui. Des fois, c'est, oui, Jésus nous aime. Jésus t'aime. Oui. Mais il faut encore aller plus loin. Des fois, il y a des gens, des fois, ils me disent, Jésus t'aime. Je leur dis, Jésus t'aime. J'essaie de parler avec eux. Ils ne veulent pas écouter. Qu'est-ce que je fais? Je marche à côté d'eux. Je balance les paroles qu'il a balancées. Ils sont partis.
mais ils ont entendu l'essentiel. Vous voyez, c'est important de faire la volonté de Dieu. Plus on va faire la volonté de Dieu, plus nous serons épanouis dans nos vies de tous les jours. Je vous dis la vérité. Plus tu feras la volonté de Dieu, plus Dieu agira pour ta vie. Parce que tu fais son œuvre. Tu t'attends à lui. Tu fais ce que Dieu te dit de faire. Il sera là pour prendre soin de toutes les choses dans ta vie, dans les moindres détails. Comme dit alors le frère, la nourriture, tout ça. Ma soeur. Oui, coupe comme ça. Oui, Jésus fait ça. Dans les moindres détails. Il va devenir de plus en plus proche de toi, ton ami fidèle. Ton conseiller, même au travail, il va te conseiller comment il faut travailler. C'est ça Jésus-Christ. Ce n'est pas un Jésus, mes amis, qui est dans la routine. C'est un Jésus de tous les jours. C'est un Jésus d'amour. Chaque jour, il a des choses à faire avec nous. Chaque jour, il a des endroits où il veut que tu ailles, que tu passes. Nous sommes ambassadeurs de qui? C'est-à-dire, on représente Dieu sur terre. Et lorsque nous, les représentants de Dieu sur terre, serons partis, mes amis, ça va être le chaos total. Il y a quelques semaines, j'ai fait un songe là, c'est sur l'enlèvement, c'était terrible. J'ai vu des chrétiens qui avaient raté l'enlèvement. On les a attrapés, mis en garde à vue, on les a mis tout nus. J'ai vu sur la terre, c'était le chaos. Il n'y avait plus de « oui, je porte plainte ». Il n'y a plus ça, c'est fini. Ça sera terrible. C'est pour cela qu'il faut partir lorsque Jésus va revenir. C'est pour cela que nous qui entendons la parole de Dieu, nous devons la garder dans nos cœurs pour être trouvés dignes. Pour aller au ciel, mes amis. Qu'est-ce que la terre va nous offrir? Qu'est-ce que le monde va nous offrir? Qu'est-ce que l'argent va nous offrir? Qu'est-ce que les critiques des hommes vont nous faire? Voilà pourquoi tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Peu importe les critiques, parce que les gens, tu ne le reverras plus. Mais Dieu, il est éternel. La timidité, tu dois prier pour que Dieu la brise dans ton cœur. Parce que la timidité aussi t'empêche de voir aussi Dieu. Dieu veut qu'on ait sa folie. L'évangile n'est pas une parole pour nous, pour caresser les gens. L'évangile est une parole pour sauver, mes amis. L'évangile est une puissance de Dieu pour celui qui croit en elle. Lorsque tu as cette parole qui habite dans ton cœur, tu vis dans l'assurance. Tu sais que Dieu est ton Père. Tu sais que Dieu va agir pour toi. Tu sais que Dieu combat pour toi. Tu sais qu'il te donnera le mariage. Tu le sais. Voilà pourquoi il ne faut pas s'inquiéter pour ça. On va prendre Exode. Exode 32. Exode 32. Mais le peuple, voyant que Moïse tardait, tant à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Lève-toi. » Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car quant à ce que Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Vous voyez, c'est terrible. Mais le peuple, voyant que Moïse tardait tant à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous des dieux. À quoi cette parole peut vous faire penser? Le premier verset.
Au retour du Seigneur. C'est ça, t'as dit? C'est ça, moi aussi. C'est-à-dire que Jésus, comme le dit Pierre aussi, beaucoup pensent que Dieu tarde à accomplir sa promesse. Beaucoup pensent que Dieu tarde à revenir. Et les hommes sur terre, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent la foi. Ils abandonnent la justice qu'ils avaient du Seigneur à cause de la séduction. Mais la Bible dit que Jésus va redescendre, Jésus va revenir. C'est pour cela que tu ne dois pas commencer à te faire des veaux d'or. Commencer à te prostituer dans le sens où aller avec les démons. Parce que le Seigneur accomplira sa promesse. Il descendra. Et lorsqu'il redescendra, dans quelle position nous serons? Dans quel état nous serons lorsque Jésus va revenir? Allons-nous toujours être bouillants? Est-ce que cette parole sera volée par l'ennemi? Ou tu vas te battre pour garder la foi? Battons-nous pour garder la foi. Cette foi qui triomphe de ce monde. Sans la foi, mes amis, sans la foi de Jésus-Christ, sans la foi en Jésus-Christ, nous sommes sous l'emprise des ténèbres. Nous sommes, mes amis, sous l'emprise de la dépression, sous l'emprise du péché. Ce que nous avons de plus précieux, mes amis, c'est la foi. C'est Jésus. Ce n'est pas les choses matérielles de ce monde. La foi en Jésus te fait marcher d'une manière différente de ceux qui n'ont pas Dieu. C'est-à-dire que tu ne crains pas la maladie parce que tu sais que Dieu te protège. Tu n'iras pas à Paris mettre ton gilet jaune, taper les... Non! Tu vas rester à la maison parce que tu sais que c'est... Que ça doit s'accomplir ces choses. Qui a mis son gilet jaune ici? Nous savons ce qui se passe dans ce monde. Nous ne pleurons pas comme le monde pleure. Vrai ou faux? Parce que nous savons que nous avons une espérance, l'espérance du ciel, l'espérance de la résurrection, l'espérance, mes amis, des noces de l'agneau. Voilà notre espérance. Voir Jésus-Christ face à face. Il redescendra pour nous prendre et nous amener dans sa gloire éternelle. Voilà pourquoi on ne doit pas douter, ni pleurer. Parce que Jésus a vaincu le monde. Nous passons par des tribulations, mais il a vaincu le monde. Là où tu passes, ma soeur, là où tu passes, mon frère, Jésus est passé par là. C'est pour cela qu'il peut aussi nous délivrer de ce que nous vivons. Parce qu'il connaît ce que tu passes. Il a subi la pression. Il a subi, mes amis, aussi la maladie, c'est écrit. Il a connu tout ça. Mais il a tout surmonté. Il a tout cloué sur la croix parce qu'il est trop fort. Jésus est notre grand frère. Jésus est notre ami. Notre patron, c'est lui. Et tu es sa perle. De quoi as-tu peur? De qui as-tu peur? Ton patron? Non, respecte-le, mais n'aie pas peur de lui. Les hommes sont tellement orgueilleux. Ils oublient qu'ils vont aussi vers la mort. Je vois des patrons aujourd'hui tellement orgueilleux, tellement orgueilleux. Mais je me dis, mais mon Dieu, ils n'ont rien. Ils ne sont que poussière. Ma femme travaille à l'hôpital. Les frères me racontent un peu des fois les gens qui avaient des hauts postes, haut placés. Alzheimer et ça mange leur excrément aujourd'hui. Vous voyez? On n'est rien.
C'est pour cela que si Dieu te positionne, c'est pour cela que si Dieu t'élève au niveau dans la société, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas que c'est Dieu qui établit, que c'est Dieu qui renverse. Parce que nous, des fois, faut faire attention à notre cœur là, il est compliqué. Le poste que tu as là, n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a donné. Commence pas à écraser les gens, commence pas à te lever les épaules. C'est Dieu qui t'a élevé là où tu es. C'est pour ça qu'il faut aller doucement. C'est Jésus qui contrôle toutes choses. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais ce que Dieu t'a donné là, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. C'est pour aider ceux qui souffrent. Des fois on prie, Seigneur, donne-moi un poste, tout ça, mais on pense à soi. On va rouler en Mercedes, T'as même pas pensé aux pauvres. T'as même pas pensé aux orphelins. T'as même pas pensé à ta famille qui souffre. Non, c'est pour toi, je vais acheter cette maison, cette voiture, ce vêtement, Nike, tout ça. Yo, parfait. Je vous assure, c'est comme ça qu'on est. Notre cœur là, il est compliqué. Et Dieu sait que notre cœur est compliqué. Il nous fait passer par des chemins terribles. Je vous assure. Et ça fait mal. Et plus tu t'entêtes, plus tu restes longtemps dans ce chemin de souffrance. Dans cette épreuve. Parce que tu n'as pas encore compris. C'est pour ça que les peuples d'Israël, là, ils ont tourné en rond. Dieu les délivre d'Égypte. Qu'ils ont fait? Ils ont tourné parce qu'ils ne comprenaient rien. C'est terrible. Plus tu saisis ce que Dieu te demande de faire, plus tu saisis qui est Jésus, plus tu obéis à Jésus, plus tu avances. Mais ceux qui s'entêtent à obéir à Dieu, ils font du surplace. Ils n'avancent pas parce qu'ils s'entêtent. Ils n'obéissent pas tout de suite à la parole de Dieu. Ils ont un pied là, et ça tourne en rond. Alors que Dieu, si tu obéis à sa parole, tu peux aller vite avec Dieu. Comme Israël, ils auraient pu vite aller dans là où Dieu les envoyait, avait prévu de les envoyer. Le pays où coule le miel, tout ça. Mais ils ont tellement été endurcis, mes amis, aveugles. Ils murmuraient. Ils ont tourné pendant combien de temps? Plus de 40 ans dans le désert. Alors que c'était même pas en 2-3 jours, je crois, qu'ils pouvaient arriver là où Dieu devait les emmener. C'est ça que le plan que Dieu a pour ta vie, là où Dieu veut que tu travailles, là où Dieu veut que tu habites, cela aurait pu se passer en très peu de temps. Mais comme tu as péché, ça a pris du temps. Je vous assure, le péché, ça te ralentit. Ça te ralentit, ça... Le péché, c'est la malédiction. Dieu a dit à Adam, le sol sera maudit à cause de toi. Ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de l'homme que la terre est maudite. Et dans son amour, il est venu nous sauver. Il est venu de nouveau nous dire de marcher selon sa parole. Mais de temps en temps, beaucoup goûtent le fruit encore à côté. Ils goûtent le fruit défendu, ça les fait du bien pour 2 heures, 3 heures, et les conséquences arrivent aussi après. C'est-à-dire que le péché là amène des conséquences terribles. C'est-à-dire que dans ta famille, il y a des gens que Dieu veut sauver, mais à cause de ton péché, il y en a qui sont décédés. Parce que tu as ouvert une porte, comme Adam et Ève. Ils ont ouvert la porte pour le monde par rapport au péché. Regardez dans quel état le monde il est. C'est à cause d'eux. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que tu es sauvé toi-même, nous sommes sauvés nous-mêmes. Mais à travers nous, Dieu veut sauver aussi nos familles. Et pour cela, il y a un prix que nous devons payer. Et ce prix, c'est la souffrance. Jésus a souffert pour nous sauver. Oh, faux.
Il a payé le prix pour nous libérer de la puissance du péché, la puissance des démons, la puissance du diable. Il a souffert. Donc nous aussi, nous sommes amenés aussi à souffrir. On a emprunté un chemin terrible. Un chemin de pleurs, un chemin... Pleurs par rapport à quoi? La souffrance, je parle. Mais en même temps, Dieu nous fera du bien. Son amour est là. Je vous assure, c'est terrible. Tout ce que Dieu fait est bon. Parfois, ça paraît pas tout de suite bon. On peut, comme la sœur disait, on peut se lever contre. Mais tout ce qu'il fait est bon. Nos plans ne sont pas ses plans. Nos pensées ne sont pas ses pensées. S'il permet cette chose dans ta vie actuellement, c'est parce que c'est son plan. Et lui seul a le pouvoir de t'en délivrer. Va pas commencer à courir vers les hommes, tout ça. Tu vas perdre ton temps. Comme font des fois les gens, ils refusent la vérité. Et ils vont commencer à aller voir les pasteurs et on leur dit de faire plein de trucs et on les dépouille. Parce qu'ils vont voir les hommes. Alors que Jésus est là pour les sauver, pour les délivrer, les emmener dans le vert pâturage. Voyez. Mais le peuple, voyant que Moïse tardait tant à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car quant à ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Ne laisse jamais les gens te faire autre chose de ce que Dieu n'approuve pas. » Voyez. Dieu dit que la fornication, c'est un péché. Ne laisse pas cet homme te dire, oui, c'est pas grave, bon Dieu, c'est... Non, Dieu est contre cela. Voyez. Ils ont fait faire à Aaron ce que Dieu n'approuve pas. Et sous la pression, Aaron a succombé à ce que le peuple demandait. Voyez. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Il lui dit, lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car quant à ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Il faut s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu et non à l'homme. Parce que Dieu a des plans pour nous. Être attaché à un homme, être sous l'emprise d'un homme, tu n'iras pas loin. Tu vas venir à Jésus-Christ pour un homme, mais ça va durer 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, je ne sais pas. C'est pour cela qu'il faut avoir la révélation de Dieu. Pour ne pas échouer. Et Aaron leur répondit, « Mettez en pièces les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Et aussitôt, tout le peuple mit en pièces les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron, qui les ayant reçus de leurs mains, forma l'or avec un burin et en fit un veau, en métal fondu. Et ils dirent, « Voici les dieux, voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Voilà aussi la religion. Aujourd'hui, tous les dieux sont des dieux. Tous les dieux aujourd'hui sont devenus des dieux, alors qu'il y a un seul véritable Dieu, mes amis. Un seul nous a sauvés, un seul a créé la terre et le ciel, un seul a marqué l'histoire. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'a pas d'autre nom que Jésus-Christ. Non, le nom qui sauve. Parfois, les hommes disent que Allah est Dieu, que Bouddha, tout ça, nanana. Mais parlez-nous de votre Dieu. Qu'est-ce que votre Dieu a fait pour vous? Nous, nous témoignons de Jésus parce que nous savons qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Comme la femme samaritaine. Elle est partie crier Jésus partout, mes amis. C'est terrible. Qui veut crier Jésus partout ici? Vous allez crier. Et quand ça va vous toucher là, tu ne vas plus te taire.
tu vas plus te taire. Tu vas parler de Jésus. Toi là, comment t'appelles? Oui. Derrière. Tu veux parler de Jésus? Tu vas parler de Jésus? Tu vas parler de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des femmes ici, elles vont parler. C'est les femmes qui ont vu que Jésus était plus dans le tombeau, c'est pas les hommes, on était en train de dormir nous. Les femmes là, je bénis Dieu qui a créé les femmes. Elles sont sensibles. Et l'ennemi veut passer par elles pour les détruire, mais laisse Dieu te remplir, tu vas prophétiser. Ça va? Parler de Jésus de Nazareth. Parler de Jésus, l'homme de Galilée. Oh, Jésus. C'est une puissance, Jésus-Christ. Jésus, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, c'est lui qui a libéré Israël de la puissance de Pharaon. Jésus, c'est lui qui a écrasé la tête, mes amis, du diable sur la croix. Golgotha, lieu du crâne, il a écrasé. Jésus, c'est lui qui a créé l'homme de la poussière. Jésus, c'est lui qui a donné le souffle de vie. Jésus, c'est lui qui va te montrer des choses dans les songes. Là, de plus en plus, tu vas avoir des songes, ma soeur, de plus en plus. Dieu va te parler en songe clair. Jésus, il va t'emmener devant les gares, Christelle, parler de Jésus de plus en plus là-bas. Là. Et beaucoup de femmes seront aussi interpellées. Elles vont vouloir aussi parler parce que ce feu va les embraser. Tu vas parler, Christelle. Tu vas commencer à parler de Jésus. Témoigner sa grandeur, témoigner de ce qu'il a fait dans ta vie. Et on ne pourra pas t'arrêter. Dieu voit ta fidélité, Christelle. Dieu voit, malgré tes combats, tu te préserves. Il voit toute ta vie. Il a un plan pour toi, Christelle. Tu as laissé le monde. T'as tout laissé, le péché, tout ça, t'as tout laissé pour Jésus. Il t'emmène quelque part, Jésus-Christ. Tu es la prunelle de ses yeux et il te connaît, Christelle. C'est terrible. Waouh. Oh, c'est terrible. Dieu travaille puissamment, c'est magnifique. Au verset 5, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le veau et cria en disant, demain il y aura une fête solennelle pour Yahweh. Ainsi ils se levèrent le lendemain, dès le matin, et ils offrirent des holocaustes et présentèrent des offrandes de paix. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour jouer. Verset 7. Alors Yahweh dit à Moïse, va descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement détournés de la voie que je leur avais ordonnée, et ils se sont fait un veau en métal fondu, et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices, puis ont dit, voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Yahweh dit encore à Moïse, j'ai regardé ce peuple, et voici, c'est un peuple au cou raide. Ça n'a pas changé. Nous sommes un peuple au cou raide. Dieu agit hier avec nous. Dieu nous montre qu'il est vivant. Lendemain, on commence à pleurer. Lendemain, on commence à retourner dans les choses, voilà, que nous avons vomies. Parce que nous sommes un peuple oublieux. Nous oublions vite. C'est pour cela, moi là, quand Dieu me dit quelque chose, j'écris maintenant. Pour ne pas oublier. Parce qu'on oublie vite.
J'écris. Parce que quand les moments difficiles vont arriver, je vais lire ce qu'il m'a dit. D'accord. Parce que Dieu ne ment jamais. Je vous assure, c'est important des fois d'écrire ce que Dieu nous dit. Parce que on oublie vite. On oublie vite la puissance de Dieu qui a agi dans nos vies hier. Et on pense qu'il est parti loin, il nous a oubliés. Non! Il dit dans sa parole qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça, moi, j'écris maintenant. Qu'il me dit, j'écris. Parce que la barque est tellement secouée parfois. Vous partez? Vous habitez à Cergy? D'accord. La barque est tellement secouée que le doute vient tellement vite après. Voyez? Ils se sont, verset 8, promptement détournés de la voie que je leur avais ordonnée et ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont fait des sacrifices, puis ont dit, voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Yahweh dit encore à Moïse, j'ai regardé ce peuple et voici c'est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi et ma colère s'embrasera contre eux et je les consumerai, mais je te ferai devenir une grande nation. C'est terrible hein, ce que Dieu dit là. En gros, Dieu va aller tous les frapper. Il dit à Moïse, de toi Moïse, je ferai de toi une grande quoi? Nation. Moïse aurait pu dire, ok d'accord. Ah, c'est des pécheurs ceux-là. Merci Seigneur. Oh, je serai quelqu'un de grand. Les pécheurs, faut les tuer. Seigneur, fais ta volonté, Seigneur. Fais ta volonté. Tue-les. Il aurait pu dire ça à Moïse. Mais qu'est-ce que Moïse dit au verset 11? Alors Moïse supplia Yahweh son Dieu et dit, « Oh Yahweh, pourquoi ta colère s'embraserait-elle contre ton peuple que tu as retiré du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ?» Dieu veut des sentinelles. Dieu veut des sentinelles. Il veut que tu te tiennes à la brèche et intercèdes sur les gens qui sont sur le chemin de la perdition. Voilà pourquoi nous devons aussi demander à Dieu ce cœur compatissant. Parce qu'il aurait pu être égoïste, Moïse. Et je vous assure, Dieu aurait fait ça. Parce que Dieu aurait tué le peuple. Mais comme Moïse avait un cœur de compassion, il a prié, il a intercédé. Et Dieu a exaucé sa prière. Parce qu'il était agréable à Dieu. Lorsque tu es agréable à Dieu, Dieu exauce tes prières. Lorsque tu te bats pour garder sa parole, Dieu va exaucer tes prières. Je t'assure que Dieu ne ment pas. Parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. Parce qu'il voit ta vie que tu mènes. Tu n'es pas parfaite, il le sait. Mais ton cœur est sincère, ton cœur s'humilie, ton cœur reconnaît ses péchés, ton cœur crie à lui pour le changement. Et Dieu ne peut que t'agréer, ma soeur, mon frère. Et il dit quoi? Pourquoi les Égyptiens diraient, il les a retirés dans de mauvaises vu pour les tuer sur les montagnes. Moïse ne voulait pas que le nom de Dieu soit blasphémé. Il voulait que les gens reconnaissent Yahweh pour étant le véritable. C'est pour cela que nous les chrétiens, nous devons marcher d'une manière digne de Jésus-Christ. Afin que le nom de notre Dieu soit glorifié et non blasphémé. C'est terrible. Moïse a prié, Seigneur, en gros, ne les frappe pas. Ne les détruis pas. Mais sauve-les. Il y a quelques années, il y a une dame qui me combat dans la sorcellerie. Elle a eu un AVC. J'ai dit, Seigneur, sauve-la, Seigneur. Fais-lui grâce.
J'aurais pu dire, Seigneur, il m'a tellement combattu, Seigneur. Seigneur, que ta volonté se fasse. J'ai prié pour que Dieu la guérisse, que Dieu la délivre. Dieu l'a délivrée. Dieu l'a guérie. Voilà le cœur que nous devons avoir. Ce cœur comme Moïse, ce cœur comme Néhémie, qui est rentré en jeûne et prière parce que la muraille était détruite. On finit à bientôt, rassurez-vous. Donc voilà pourquoi nous devons nous humilier, nous rabaisser encore devant Dieu. Il agira dans ta vie, ma sœur. Il agira pour ton mari. Il y a un mari qui n'est pas converti ici. Hein? Ton mari converti. C'est qui? Continue à prier. Continue à être un modèle. Dieu va l'interpeller. Persévérons. Et nous verrons la gloire de Dieu pour nos familles. Parce que Dieu veut les sauver à travers toi. Prie pour eux. Même s'ils t'ont blessé, même s'ils t'ont rejeté, faisons comme Moïse. Prions pour nos proches. Manifestons-le l'amour de Dieu. Même s'ils te blessent par leur comportement, ben fais le contraire. Fais-leur du bien. Fais-leur du bien. Voilà ce que Dieu veut. Que nous manifestions son amour, que nous manifestions son caractère. Amen. On finira par là.